Bonjour, je m'appelle Pierre Soisson, je suis photographe dans le Cantal et je fais beaucoup de paysages et aujourd'hui je vais vous apprendre une petite astuce pour réussir vos panoramiques. Pour faire un paysage, il faut toujours se demander est-ce que je suis au bon endroit. C'est exactement comme pour du reportage, on doit toujours se demander est-ce que je suis là pour voir la meilleure scène. Eh bien, c'est un peu pareil pour le paysage. Une fois qu'on a défini l'endroit où on va se mettre, on prend son pied, sa rotule et on fait le paysage. Mais voilà, il arrive des fois d'oublier son pied, sa rotule, parce qu'on ne pensait pas faire un panoramique. Donc à ce moment-là, j'ai une petite astuce. J'ai une ficelle. En fait, c'est une boucle que j'ai faite, que j'ai toujours dans mon sac à dos de photos. C'est avec un vieux cordon synchrone là. donc c'est une boucle et que je vais passer sous mon pied, que je vais accrocher là, ce qui va me permettre deux choses: de stabiliser mon appareil comme si j'avais un pied et de garder toujours la même hauteur, ce qui va faciliter l'assemblage après quand on le fait sur l'ordinateur. Et je le montre, voilà, et on y va. Et voilà, donc j'ai gardé la même hauteur et au moment de l'assemblage, eh bien, ça va faciliter énormément le montage du panoramique. Voilà, synchro, priez pour nous. Mais, écoutez, j'espère que cette petite astuce vous servira à faire des petits panoramiques sympathiques. Et la ficelle, c'est pas que pour le rôti. Alors, allez, à vos panneaux.